M. Novosadsky, il est né dans la région de Lublin, donc la ville qui est proche à notre ville de Nancy. Il a fait toutes ses études à Lublin également. Maintenant, il travaille à Varsovie. D'ailleurs, vous voyez que beaucoup de ses tableaux sont inspirés par le paysage de Varsovie. Assez moderne en ce qui concerne la beauté, assez médiocre, avec beaucoup de voitures, beaucoup de bruit, de pollution. Et malgré tout, vous voyez ces couleurs magnifiques, cette ambiance qui surprend quand on pense qu'un quartier d'habitation était à l'origine d'inspiration du peintre. Donc justement, c'est ça. Moi, je voudrais dire deux mots. Évolue le paysage, comment il est transformé par la lumière qui change. Donc pour lui, ce n'est pas uniquement les aspects physiques, donc la lumière qui modifie le paysage, mais c'est également son intérieur. Ça veut dire sa façon de voir ce paysage. Et ça permet de découvrir vite à faire le tour de cette exposition. Vous verrez en bas les tableaux d'une autre ambiance, beaucoup plus surprenante. Souvent, on est entre l'art figuratif et l'art abstrait, mais dans son cas, l'art abstrait, c'est toujours le paysage ou la personne qu'il décrit. Mais il l'écrit à sa façon, avec sa façon de voir et d'analyser. Merci, et puis je vous invite à visiter. Très bien, Marie. J'aimerais ajouter uniquement une petite... Un petit complément pour nos amis français. Parce que tu as commencé par les tableaux Villanov. Villanov, le nom qui vient directement de la langue française, et pas seulement. Villanov, à l'époque, c'était Villanova, une ville nouvelle qui était créée par les Jean III Sobieski, notre roi, pour son épouse, Marie de Nevers, une Française. À lui, d'ailleurs, en 1683, il a combattu les Turcs auprès de Vienne, il a défendu la Vienne, la ville de Vienne. Et voilà, vous voyez cette trait d'union entre la ville de, une ville près de Varsovie avec la France, vraiment très étroite. Monsieur Novosadsky va dire deux mots. Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję, że zostałem tutaj zaproszony. Dziękuję władzom miasta, panu merowi i wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tej wystawy. Tak, donc je remercie chaleureusement à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette exposition. Je remercie à la municipalité de Nancy pour l'accueil chaleureux et pour rendre possible cette exposition. Natomiast, jak Państwo wiecie, czy też część z Państwa tego nie wie, jak spiritus movens tego wydarzenia, to jest Marek Rogalski, który zobaczył moje prace na wystawie zbiorowej w Rawie Mazowieckiej i pracował nad tym, żeby moje malarstwo zaistniało w Nancy. Donc là, je... Voilà. C'est différent pour Marek Rogalski, pour laquelle bon, moi je me rejoins aussi pour remercier Marek Rogalski de pouvoir organiser cette exposition ici à Nancy. Marek Rogalski, en étant à Rawa Mazowiecka, par hasard, il a retrouvé le peintre ici présent, M. Novosadsky, et il a trouvé quelque chose. Il a dit bon, peut-être que ça peut être intéressant de transformer cette exposition à Nancy, présentée en français à Nancy. Natomiast, żeby powiedzieć parę słów o moich obrazach, mimo że nie zwykłem tego czynić, usprawiedliwiać tego, co zrobiłem, ponieważ mam nadzieję, że emocje i jakiś sens jest wyrażany przez same płótna,
to zrobię kilka odniesień jednak do historii i do inspiracji do tego, z czego czerpię. Donc, monsieur Nosatsky voudrait maintenant dire quelques mots sur le source d'inspiration de son art. Et il souligne qu'il le fait rarement. En fait, il voudrait nous dévoiler ses inspirations. I o tyle jestem szczęśliwy, że zagościłem z tymi pracami tutaj, czyli we Francji, że malarstwo francuskie było dla mnie od zawsze dużą inspiracją i powiedzmy poszczególni malarze, ale poczynając od Cezana, od powiedzmy całej tej grupy malarstwa postimpresjonistycznego, ale poprzez malarzy, którzy byli, przywędrowali do Francji ze wschodu. Myślę tutaj o Candice, o Chagallu, czyli przynieśli tą nutę nie radości życia, ale tylko, ale, albo aż, a przynieśli pewnego ducha niewiedzy, pewnego ducha wschodu, pewną tajemnicę. I oni są mi szczególnie bliscy, ci, którzy tutaj zagościli ze wschodu. Monsieur Nosatsky, il dit qu'il aime bien revenir avec ces tableaux en France, parce que la peinture française constituait pour lui toujours une source d'inspiration. Il est proche, bien entendu, les impressionnistes avec Cézanne et le post-impressionniste, etc. Mais plus tard, avec des peintres comme Kandinsky, Chagall, le peintre venu de l'Est, qui ont contribué avec leur monde souvent magique, souvent mystérieux. Voilà, donc ça c'est, si j'ai bien compris, ben, je voudrais suivre cet exemple. Jeszcze kilka myśli, mianowicie, że dla mnie malarstwo jest teraz o tyle ważne, żeby wyrażało współcześnie emocje, które są uniwersalne, ale czyli patrzenie na pejzaż i na człowieka obecnie tu i teraz, niemniej bez takich spekulacji, powiedzmy, stricte awangardowych, natomiast żeby one się mieściły w odczuwaniu współczesnego człowieka. I rozmawiając z Państwem, ja widzę i słyszę rezonans tego, co robię. Donc, il a dit une chose très importante, je pense, que dans son art, il cherche toujours de trouver un écho dans la sensibilité de l'homme moderne, que ce qu'il propose soit adapté aux attentes de gens qui sont aujourd'hui volontaires de regarder, avoir des émotions liées avec l'art pictural. Dziękuję wszystkim za uwagę. Donc maintenant, je vous invite à...